bras de contrôle. Pour l'adversaire aussi, à son bras de garde, son bras de contrôle. Vente numéro 1, en latéral, bien entendu. On ne va pas faire la pression de la mâchoire, parce qu'en compétition, c'est impossible à exécuter. Donc, on va faire la technique d'esquive de la main de garde. Esquive de la main de garde, esquive, et on tourne. À partir de ce moment-là, on a deux solutions. Ou bien on utilise la clé de coude avec l'aisselle en descente, ou bien on va simplement descendre sans utiliser la clé de coude et en serrant ici l'épaule. Je vous rappelle qu'en intégrale, on peut faire la numéro 1 avec la main droite ou avec la main gauche. Toutes les techniques sont exécutées avec les deux mains. Donc, 1 ici, vous voyez voir, esquive du bras de garde, esquive du bras de garde, et on va pivoter le corps en maintenant le bras entre le corps et l'avant-bras à gauche. Et je vais ou bien descendre le poids du corps ici, ou bien lancer ma jambe, de manière à ce que j'ai ma fesse intérieure qui soit au sol. Donc en revenant là normalement, l'adversaire va utiliser son coude pour tenir à l'arrière dans ma nuque, okay, ce qui est théoriquement impossible à faire, puisqu'en vérité, moi je vais être en appui ici et je vais pratiquer une clé. Donc c'est impossible de faire cette technique de coup de coude. C'est possible parce que c'est une démonstration. En démonstration, c'est sûr, je laisse un petit peu faire et mon copain va donner le coup de coude et va approcher mon cou. Mais dans la réalité, c'est impossible d'une part pour la clé que je fais ici, d'autre part parce que je transfère mon poids sur son dos. Au niveau de mon adversaire, il faut absolument qu'il évite de mettre le pectoral au sol. Donc dès qu'il va sentir la technique, il va pivoter pour décoller son pectoral. Dès qu'il décolle son pectoral, il a une marche de défense ici. S'il reste le pectoral collé au sol, c'est fini pour lui. Il aura des difficultés à sortir de la technique. Pareil, on peut la faire avec la main droite ou avec la main gauche. Et elle sera demandée aux examens toujours avec les deux mains. Donc, en mouvement, alors ce qu'ils vont faire, ils vont passer la main dessous, entourer et ensuite pratiquer la clé. En combat de vate réel, quand je vais essayer de faire cette technique-là, dès que je vais dégager le bras, je vais permettre à mon adversaire de faire tout un tas de techniques. Il va pouvoir m'accrocher, il va pouvoir me pousser, il va pouvoir lui-même m'accrocher le bras. Donc je ne peux pas me permettre de lâcher cette technique. Ça, c'est ce qui me permet d'avoir la garde. Je ne veux pas lâcher ça. Par contre, si on regarde bien de ce côté-là, on a déjà la permission. On a déjà tout ce qui est ouvert ici. C'est pour ça qu'en intégral, nous, on fait cette technique directement avec ce bras-là. Ce qui me permet d'aller parfaitement dans ma technique. Donc, au lieu d'utiliser le bras qui est ici en enroulant, on revient en intégral, on va directement accrocher ici. On va 1, 2, pousser la clé. Donc la numéro 2, ce sera une technique d'accrochage du bras de contrôle. Puis, on peut aussi, bien entendu, à partir de ça, aller ou bien à l'extérieur, ou bien à l'intérieur, ou bien à l'extérieur avec la jambe en jet. À partir de cette position, on peut bien entendu ou bien mettre l'accent sur la clé, en ayant toujours la main à la gorge et l'accrochage, ou bien appuyer le genou pour renforcer la technique, ou passer en clé, croiser le bras. Un petit détail par rapport à la compétition que j'ai vue en Pologne, il y a des techniques qui sont absolument interdites en vate, on ne peut pas de grappling. Par exemple, dès que l'adversaire vous prend en garde, j'ai vu une jeune fille qui refusait le combat. Elle revient en garde, elle refuse. Elle revient encore en garde, elle refuse. Sans compétition, c'est fini. À la maison. Refus de combat à la maison. On ne peut pas refuser la garde. Il peut y avoir un petit refus comme ça. Donc c'est un petit peu. Hop, je reviens. Mais si c'est un refus qui se fait à plusieurs reprises, avertissement. Et ensuite, élimination. La même chose que pour ceci. Ça, c'est pas du VAT, c'est une rapide. Donc il faut bien mettre les choses au point avec les arbitres. Dès qu'il y a un refus de garde comme ça, on commence. Ça. Là, je serai éliminé. Éliminé. Directement. Premier avertissement et après élimination.
Alors, pourquoi il peut y avoir un refus de garde des fois? Par exemple, si l'adversaire est en garde avec cette main-là, et moi je suis plus en combat sur celle-ci. Donc je vais avoir toujours tendance, dès qu'il rentre, à changer pour avoir une autre garde. C'est possible que j'ai ce type de garde qui existe aussi. Donc si je vois que l'adversaire me prend en garde distancée, hein, je peux très bien me pousser pour avoir après une garde plus près. Ça, oui, c'est possible. Mais dès que je vois des gens qui refusent parce que ce n'est pas leur moment, non. Le VAT, c'est un art où on va accepter le combat. Donc directement, dès qu'il y a une prise, on accepte. Et à partir de là, ça y est, ça peut commencer. Mais pas de refus systématique de la guerre. Voilà. C'est ça.